Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Boulistenaute et bienvenue ici à Nyons pour la poursuite de cet international à pétanque. Et on arrive maintenant au quart de finale et j'aurai le plaisir d'être accompagné de Gérard Sacco. Gérard, bonjour. Et bonjour Gilles, c'est un grand plaisir d'être à tes côtés. Moi de même, c'est un plaisir partagé et donc on va assister à une rencontre. Il va opposer une partie donc, des joueurs en violet que nous avons filmé hier soir. Donc avec Laurent Dumont, Antoine Navarro et Canès Sala. Et ils seront opposés à une équipe composée de l'ancien président de Nyons Pétanque, Yves Rinck. Et donc il sera accompagné de René Amico. Et Eric Amico, son fils. Voilà, donc la famille Amico. Donc Yves de Nyons Pétanque et René Eric Amico du club de GR. Ça va être, je pense, une belle partie. Alors c'est vrai qu'on arrive au quart de finale, donc on peut supposer qu'en ayant 512 équipes au départ, on arrive dans les 8 dernières, il doit y avoir de la qualité. Donc Navarro, licencié lui à Élysée Salon. Laurent Dumont au club de Bise dans l'Aude et Canès Sala à Monaco. Et ça donne l'occasion de saluer le club Boulisme Monégasque puisque la semaine prochaine il va y avoir l'international sur le rocher et nous serons présents. Alors encore quelques boules d'échauffement là. Avant de débuter. Et voilà, c'est parti. Alors, sous un beau soleil de ce matin, là, il fait même chaud, là, maintenant. Donc, vous avez tous les résultats sur le site de Nyons Pétanque, sur Boulistenaute et sur l'appli. Pour voir les équipes, donc, féminines et seniors. Ils sont encore en course à l'heure actuelle pour les quarts de finale. C'est Canès Sala qui engage. Bel engagement. Ouais, tu dois bien le connaître, toi, ce carré d'honneur, oui, Gérard. Oui, je le connais très bien. Un terrain difficile. C'est très difficile. Là, Yves, c'est chez lui. Effectivement. Très bon. Voilà. Et on s'en aperçoit, effectivement. Il a bien lancé sa boule. Maîtrise. Antoine Navarro au tir. Il est droit et la boule a bombé. Ouais. Donc, oui, ce terrain est très, très difficile au pire. Voilà, c'est la particularité, on le sait, de ce carré d'honneur. Il faut vraiment être sur la boule. Ou un peu au-dessus. Et ça suffit, peut-être. Là, maintenant, ça va être donc la Eric Amico. Ouais, c'est le fils de René. C'est normal, on contre-attaque. Hein. Deuxième tentative là pour Eric. Il était un peu malheureux dans son tir. Ouais. Un joli palais sur le côté. Malheureusement, le bouchon a démarré. Hier, je l'ai suivi en 16e de finale, Pisanico. Oui. Et il n'a pratiquement pas manqué de boulot. Très, très bon tireur. Ce qui explique. Bien pointé, ça. Yves, c'est son jardin.
Ah oui, c'est certain, hein, parce que. Et on sait, hein, sur ce terrain, n'importe comment, si tu n'as pas un très bon pointeur, c'est difficile d'avancer. Hein. Et par contre, si tu as la chance d'avoir du point devant, ça facilite les choses. Hein. Avancer une boule quand même avec Anes Sala. Ça aurait presque pu être une boule à tirer. Le bouchon est devant. Après, on est sur je une distance. Du moins, il va tirer, je pense. Le boule pour deux, il est très dur à gagner le point. Ouais, en plus avec la boule maintenant de son partenaire, voilà, il est au milieu, ouais. Il va s'élancer, le bouchon est devant. Juste à côté. Il avait bien la distance. Il a fait une belle saison du moins cette année. Oui, ah. Ah ouais, ça c'est vrai que... belle performance jusqu'à présent. Et toi aussi, Gérard, ah, hein, oui, on peut le souligner. Hein. Tu as fait de bons résultats depuis le début de cette année. Voilà, bon, vous voyez, hein, en défilé, dessous, le classement des joueurs en nationaux. Classement réalisé par notre ami Sylvain Bonnet, que l'on salue et qu'on remercie pour le travail effectué. Dernière boule là, pour Laurent Dumont. Bien envoyé. Hein. La boule est déjà là. Hein. C'est là que le déplacement du bouchon, on doit être bien au-delà des 10 mètres. Hein. Ah oui, bien, bien 11 mètres. Hein. Ah, c'est... c'est pas une glissée là. Hein. Le point, la belle, elle est pliée. Manque de hauteur là pour sa boule à René Amico. Voilà. Comme tu dis, Gérard, effectivement. Et bien voilà. Ouverture du score donc pour l'équipe Rinquin. 2-0. Là, on doit être au-delà des 10 mètres. Et on raccourcit du côté Navarro. Donc, voilà. Vous voyez effectivement hein, Laurent Dumont qui est 18e au niveau du classement des nationaux. Il souligne effectivement ses belles performances depuis le début de cette année. Et Ivrinc. Oh, c'est un bon point. À la descente, c'est un bon point. Tu as raison. Ah, c'est vrai que c'est rageant des fois. On voit une boule qui est très très belle et puis elle roule. Elle va doucement, mais elle roule quand même. Et comme tu dis, effectivement, à la descente, c'est déjà un joli point. Allez, vous allez, à la frappe, elle est partie à gauche. La preuve. Il a la bonne force et voilà. À la première partie qu'on a filmée ce matin, on a vu une Nadège Bossian Prota impériale au point. Elle a tutoyé le bouchon tout au long de la partie. Elle a ouvert la voie à Cindy Perrault, à Emma Picard.
peut s'arracher les cheveux de temps en temps, sur ce terrain. Oui. Alors bon, je vais faire un vilain jeu de mots pour vous. Pour Kamel Salah, qui n'a pas beaucoup de cheveux sur la tête, mais le pauvre. Ouais, mais c'est vrai que. Des fois, il vaut mieux faire des petits points à 80 qui se perdent plutôt que faire un bon point et prendre un carreau. Un carreau, oui, tout à fait. Là, c'est des... L'adversaire, après, ne sait plus trop comment faire. Vous voyez, le terrain en gros plan, là. Le revêtement bitume. Avec une fine couche de gravier. Alors, on continue de pointer hein, du côté. Il va tirer du vent. Il va essayer d'enlever des points. Je ne suis pas certain. Ah, il pointe. Ouais, il, a... ah, il relève ah, bien les boules. Hein. Il l'a bien écrasé, sa boule. Mais est-ce que ça a suffi? Il n'a pas repris, mais en tous les cas, ouais, il permet à Navarro d'aller défendre ce point. Voilà. Parfait. Et je crois que voilà. On va pas se casser la tête. Hein. On a 5 boules en main du côté qui prinque. Tirer cette boule devant. Même si à 4 points pour les autres. Il a fait la place. Il ne reste plus qu'une boule hein, pour Navarro. Non. Ah, ils ont deux boules encore. Oui, autant pour moi. Ils ont deux boules, une à Navarro, mais une à Laurent Dumont également. Et il reste un petit peu court cette fois, Ivrinque. Il en manque un peu, je pense. Ouais, elle est quand même en attente devant, hein, on ne sait pas, hein, elle peut servir à ses partenaires, gêner l'adversaire. Essayez de faire jouer, ça sera bien. Allez. Oh, il va pointer sans se gêner dessus. Il faut qu'il a touché tête de point. Oui. Voilà. Oh, il est passé à côté, mais il a gagné le point. Il a bien joué parce qu'en manquant la boule, il gagne le point. Exactement. Et là, il a vraiment la force qu'il fallait pour rentrer à deux, hein, s'il l'avait rencontré. Ouais. Et voilà, il l'a gagné derrière. C'est bien tiré de la part de Antoine Navarro. C'est gagné encore. Hein. Oui. Dernière boule là pour l'équipe Laurent Dumont. Oh, ah, il a rattrapé. Là, il est beau celui-là. Là, c'est pas pareil là. Ça change la donne. Regardez la belle frappe de Laurent Dumont là. Il voulait détruire. Alors, est-ce qu'ils auraient deux points les violets? On va aller voir le scoreur. Oui, c'est ça. Égalité. Oui, c'est ça. Eric Amicou tirait pour casser un point, voire peut-être rendre le carreau. Il a échoué. Il a été marqué.
bah, on peut annoncer le bouchon à peu près à 9,50 m. Hein. C'est ça. Et le pas qu'il a fait. Alors, on discute sur un point de règlement par rapport à la longueur du bouchon, du moins la longue, le cercle. Parce que, Eric Amico a reculé le cercle pour avoir les 10,50 m minimum. Et voilà, ça y est. Oh bon. C'est rattrapé de la main d'avant. Hein. Ah oui. Là, effectivement, là d'entrée, Eric Amicou qui a positionné le bouchon à une distance importante. Il cherche pour lui maintenant de faire passer la boule au tir. Ah, il devait y voir quelque chose. Mais juste derrière. Le bouchon est sorti, la main est à refaire. Voilà. Moi, tu vois, Gilles, quand il a posé le bouchon, moi j'aurais posé à 7 mètres. Si c'est les autres qui étaient devant, ouais. Il a envoyé à 10 mètres et s'il prend un bon point, c'est dur à taper sur le goudron. Bien sûr, oui, ouais, mais enfin, s'il a choisi, c'est qu'il doit avoir une bonne raison, mais bon, voilà, cette fois, il est bon. Nouvelle main, de partout. Ah oui. Là, il est bien rentré dans la partie là, ça là. Là. Il n'a pas fait le tien, oui. Mais il a pris la passe. Allez, Yves, tu passes à tirer. Brinque de profiter. Et il a bien profité là. Il avait un petit coup de poignet. Il s'est mal sorti la boule. Ah, c'est mieux. C'est mieux, mais il a fallu deux boules hein, pour Antoine Navarro, du coup. Et il y a de nouveau de l'espace hein, pour Ivrinck. Hein. Dans la même temps, un coup d'œil à, oui. À Christine Marage du Vaucluse. Ah. Elle tire très très bien. C'est une dame qui joue dans ton club, non? Oui, c'est une jeune fille qui joue dans mon club et qui est plusieurs fois championne du Vaucluse. Tête à tête, doublette, triplette. Une année, elle a fait même le triplé. Ah oui? Avantage face à Philippe Audron, Ismaël Dalla et Vincent Cortès. 8 à 2.
Ah non, je crois qu'il n'y a pas de professionnel à la pétanque. Hein. Au sens premier du terme. Alors, deux boules à deux. Il n'y a qu'une boule hein, pour l'équipe Rink. Trois boules en face. Ils vont continuer à tirer. On est à micro. Le bouchon risque de bouger. Oh là là. Ah, il est bas. Il ouais. est bien droit. Bien droit, effectivement. Mais là, c'est vrai que. C'est que le. Terrain, il ne pardonne pas. Hein. Alors, il faut avoir peut-être un tir un peu puissant en rasant. Tir bas et fort. Voilà. Il faut qu'il rentre bien comme il faut parce que là, Laurent Dumont a deux boules. Et je pense que ça ne gênera pas de partir sur deux tirs. Hein. Bien joué, c'est très bien joué. Il n'a pas repris, mais sa boule est là. Hein. Et voilà, c'est ce qu'il regarde, hein. C'est que les violets, là, si Dumont couche deux fois, ils ont mis trois points. Ils ont trois boules aussi. Hein. Là, il en a plus à la roue. Oh, il a failli embarquer l'autre derrière, mais enfin pour l'instant, c'est une boule pour 4 points. Ça peut faire un joli break là, hein, s'il la frappe. Oh, bravo, 5. Quel tir. Ouais, effectivement, comme dit Ivrain, qu'on a pris le risque, et bah. Super Dumont là. Il est solide. Il est solide Dumont. La mi-partie. 7-2. Ouais, vous voyez bah, au niveau des statistiques, et la meilleure performance justement au tir, hein, puisque. Dumont, bah, il vient de faire 3 sur 3 et 3 carreaux. Et voilà, bah, c'est la différence point-tir. Ah oui, point-tir. Elle se reflète au niveau du score. Alors que les choses vont pas traîner, la victoire de Pierre Morel, Mason Durk et Chris Elfrick. Ah ouais. Premier qualifié pour les demi-finales. Oh là là, quelle entame. Quelle entame du Monégasque. Vincent Cortés. Ça là, là, il quitte pas le bouchon. Hein. Là, il met la pression sur Eric Amico. Bien tiré. Ça va être bien tiré, oui. Allez derrière. Au dernier de l'école de sport pour Romain Jourdier, Kevin Maldec et Renard Blanc. Premier point, Christian Véranté, Valentin Maurice et Théo Lavière mènent 6-1. C'est pas aussi beau, mais c'est repris. Ça fait jouer. Repris et gagné. Je pense que c'est pas le jeu de tirer. Si, moi, je suis si un peu là, offensif sur ce terrain, mais là, oui, quand même. Vu que Ivrain qui pointe bien, quand même. Il faut marquer dans la main, il faut marquer.
Parce que là, voilà. Tirer là, ça veut dire qu'il part sur 6 frappes. Ah oui. Sur un terrain comme ça, que un pan devant, on les manque. Ça monte, comme tu dis, Gérard, effectivement. Hein. Le terrain est en pente et là, on est sur la montée. Il est bien démarré, Yvrin, qui là, il faiblit un petit peu. C'est vrai que ça, là, il a la pression hein, au niveau ouais. du point. Donc, Ah là là là, comme il est traître ce terrain. Aïe. Ah oui, elle est en cours à la première, il a un peu poussé. Adieu. Alors, quand on voit maintenant la puissance de feu de Navarro et de Dumont, attention. Pas évident. Hein. Ouais, il a la boule de Yvrin devant qui est pas forcément très au jeu, mais on est à Mico. Il court aussi. Ah non, oh, il est. Ouais, non, il court encore. Court aussi. Oui, il donne de qualité à son fils, Eric. Elle est tirée. Allez, eh bien, c'est moins dommage. Ça fait jouer, ça fait jouer. Ça fait jouer, tout à fait. Du moins, il ne va pas se gêner de les envoyer. Il ne va pas se gêner. Ah oui, oui. Entre les deux boules, là. Elle est restée. Elle s'est bloquée carrément, là. Il regarde le ciel, Navarro, parce qu'il y a le câble. L'alimentation de la lumière et du son. Il passe là au-dessus. Ah, il a un une petit peu chanceux. De chance. Ouais. Il est bien droit, mais court. Ouais. Alors, est-ce qu'il a un tir à deux, Navarro, du coup, avec celle de la boule blanche à Dumont devant? Alors, je crois que non. Je crois que la grise de Yves ouais. est devant. Il n'aurait pas tiré. Parce qu'il n'aurait pas tiré. Ouais, c'était ça. C'est bien ça, la boule de Yves elle est devant. D'accord. Bon, bah maintenant on essaie d'essayer d'arriver en troisième, peut-être pour s'offrir une boule de tir. Oup, 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 bah, il va être belle à trier là. Jolie tir de précision là. Une boule pour deux points. Le 16 de... Aïe aïe aïe. Et ben, sera un il point. A frappé la sienne. Un point de plus. Ça sent bien sorti Yves. Hein. Oui. Parce que ça aurait pu être.
aurait pu aggraver le score. Hein. Intervention de l'arbitre. Madame l'arbitre. Elle est très pédagogue. Hein. J'ai entendu deux fois. Et elle est vraiment dans la formation, l'information. Je pense que le bouchon ne va pas être bon. Alors. Il a bien couru là dans la descente. Non. Alors on va voir si. On va voir si. Si rétrécit la distance. Moi ce que je ferai, je croiserai. Je poserai le bouchon à 6-7. Ouais, mais je sais pas si ça a pas l'air d'être leur. Ouais, 9 mètres, 9 mètres. Bon, bon point. Ouais, bah, je sais pas. Bon, ben. Ça leur a pas porté bonheur jusqu'à présent de jouer long. Sur le 5-14-8, 3 points pour l'équipe de France, la neige de Champotin, et Marc Picard, et 6 numéros qui vont porter le record dans cette rencontre. Marquez-le, la tête de Colombie, Isabelle Avine, conserve la tête du match, 5-4. Il est parti de côté, là, il a bien la longueur, et la boule s'est écartée sur l'arrivée. Allez, Ivrin, il faut qu'il retrouve le fil. Pour espérer avancer son équipe aussi. Pas mal. Il a pas mal joué, bien voilà, joué. Là, là, bien belle joué. Boule. Et le boule a tiré. Ah oui, là, il n'y a pas de souci. Antoine Navarro. Tête, il frappe. Pratiquement sur la ligne blanche. Pratiquement. Ouais. Ça penche un peu. C'est gagné. Voilà, c'est gagné. On voit le coup de poignet qui donne à la sortie de la boule. Là. Il faut se préparer vos tirs maintenant. Oui. Ah oui, oui, bah là, c'est un point qu'il faut défendre, effectivement. Ah, Canessa, c'est sa deuxième boule d'appoint. Vous avez vu la frappe? Oui. C'est très, très. Oh. Effectivement, là, elle est partie complètement de travers. Alors Laurent Dumont, on va voir, là on joue dans la descente, est-ce qu'il va envoyer formation d'habitude très haut? Ah, c'est risqué d'envoyer la descente. Ah non, ou alors voilà. C'est pas... C'est pas bête parce que c'est des points qui peuvent se perdre. Hein. Exactement. Ah, ça suffit. Peut jouer. Ça peut jouer. Toi, j'avais presque dans, en tête, ils avaient deux points.
de faire pointer ça là, de partir, de continuer au tir. Ça n'a pas été déjoué, mais bon. Boule à 3 pour l'équipe Amico. Et il est court. Oh là là, il laisse le point. Ouais, ça a rééquilibré les boules là. Ils n'arrivent plus hein, vraiment à jouer ensemble. Hein. Bien mieux effectivement. Belle reprise. Du moins qui est sur un sans faute hein, au niveau du tir là. Et il fait palais derrière. Alors, Eric Amico qui n'a pas souvent pointé hein, depuis le début de cette partie. Alors lui, c'est objectif, rentrer deux fois. Hein. Ah, bien joué. Ah oui. Il a bien joué. Très beau point. Allez, dernière boule pour Laurent Dumont. Ils sont boule à boule. S'il frappe, avec Eric Amico renouvelle son point. Et voilà, c'est un sans faute. Hein. Là, maintenant. Amico, il faut qu'il rentre. Hein. Il y a 3 points pour les violets. Oula, là, 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 là. Oh, elle est revenue. Elle est revenue. Elle est revenue. Oh là là. Je ne sais pas s'il a le point, mais en tous les cas, il en a sauvé deux. On voit que les surprises qu'il y a. Oh, ah oui. Tu as déjà joué, Gilles, sur ce terrain? J'ai joué sur le 5 lundi après-midi. J'ai joué la première sur le 16 là, pour le triplette mêlé. Mmh. Et le 16, il y a un peu plus de gravier. Voilà, et c'est un peu plus plat. C'est plat. Donc, on s'est bien fait plaisir, les deux équipes, on a gagné. Et après, sur le 5, c'est plus compliqué. Et donc, c'est bien Dumont qui a marqué quand même. Hein. Il n'y a pas un pourcentage énorme de différence, hein, une dizaine de pourcents, mais voilà, le score est là hein, pour Dumont. 9 à 2. Voilà, Eric Amico, il a failli passer près de la correctionnelle. Hein. À peu de choses près, il a laissé 3 points. Qu'elle a fait Christelle. Ah, je crois que c'est fini. Je crois qu'elle a gagné. Il me semble en voyant le tableau, les scores. Ouais, elle a gagné. Protégé. Oula.
un peu de bec. De rami. Ça fait du bien. Ah ouais, bah oui, c'est toujours bon à prendre. Hein. Toujours bon à prendre. Pareil, un Navarro, c'est quasi un sans faute aussi hein, au tir. C'est un très bon tireur. Hein. C'est un très bon tireur. Voilà. La belle courbe de la boule d'Antoine Navarro. Ah bah celle-là, elle doit rien à personne. Voilà, hein. Exactement. Belle reprise. On l'oblige à tirer à nouveau. Aïe, à droite. Il l'a pas pris du bon côté. Ah donc là on ne joue pas le cadre hein. Donc le cadre oui pour lancer le bouchon. Mais ensuite voilà c'est le règlement hein. C'est-à-dire que voilà vous voyez la boule à gauche, un jeu à gauche, un jeu à droite. Voilà. Mais on est obligé d'envoyer le bouchon à l'intérieur du cadre. À l'intérieur. Allez, Laurent Dumont dans l'opération destruction de points. Il continue sur sa lancée. Hein, il a pas manqué de boule. Ah, je crois pas. Hein. Et en plus, ce sont que des palais carreaux. Ben là, les bleus, là, pour une fois, ils ont un bel avantage. Hein, 4 boules à une. Il faut que René Amicot rentre de suite. Là, ça serait bien. Il va jouer la dernière boule à Laurent Dumont. C'est garé, mais il est peut-être en second. Le boule est parti complètement à droite. Il a la force. Hein. Il a la force, effectivement. Voilà, c'est ça. Il est rentré en second, hein, puisque Eric Amico va tirer. Sur les 15-16, Fernand Boucher, Stéphane Carra et Sébastien Destreys. Eh bien, et la mène des caresses, des caresses. Ah, là, ils 4 boules, ils vont pas profiter, hein, parce que maintenant on revient 2 boules à une. Est-ce qu'il est arrivé? C'est pas certain. Pas certain, non, mais il va falloir tirer quand même. Ah, il défend 2 points. Défend 2 points, s'il frappe. Ben... Ils hésitent. Ah, ils vont quand même s'en assurer. Ouais. Ça a d'être chaud. Non, confirmé. Il faut qu'il pousse Eric Amico hein, s'il veut que son équipe essaye de grappiller un point. Voilà, bravo. C'est fait.
C'est fait, mais par contre, l'avantage de boule a fondu hein, sous ce soleil oui, de Lyon. Oui. Et voilà. Un balle tapé là. Deux points. Ils doublent leur capital. Et Lyon, c'est dauphinois. Il change pas de jeu, hein, Laurent Dumont. Change pas, il envoie, pas. Il envoie. Bon, c'est pas un terrain qui lui réussit celui-là, parce que il a un terrain rocailleux. Il envoie très bien la boule et il réussit bien. Là, il est à la merci d'une frappe. Il marque encore une main et relance la partie. Et Jonathan Favre. 10, 11, 12 mètres. Donc c'est pas bon, bien évidemment. Alors eux, par contre, là, oui, ils vont raccourcir. Hein. Voilà. Ah, ils regardent le fil, le câble au-dessus du jeu, Laurent Dumont, pour son envoi. Il a demandé à ses partenaires de mettre le bouchon de l'autre côté. Et c'est bien engagé là par Ibrahim. Oui, oui. Ça oblige un Navarro à tirer. On ne va pas se gêner. C'est bien ce que je te disais, Gilles. Quand on a une force de frappe, pas moins loin. Il pointe devant et on tire. Ah bah, il arrive ce qu'il arrive. Tout à fait. Je pense que la force de frappe, elle est peut-être plus importante du côté Navarro-Dumont. Du côté de la famille Amico. Ouais. Là, René Amico aussi, on l'a vu tirer deux fois, mais. Ben voilà. Ibrahim qui l'a fait le job. Ils se rapprochent, ils sont condamnés. Condamnés à pointer et à attendre une faute. Eh oui. Très bien joué là. De René Amico, en plus face à la boule à Antoine Navarro. Frappé. 3 points pour les bleus. Ouais, pour espérer un contre, mais il ne faut pas s'en sortir. Eh ben, il continue à bien pointer, hein, René Amico, bravo. Il a eu 4 bons points pour l'instant. Se perdre. Ah oui, oui, c'est vrai que là ils sont en plus sur la limite du terrain, là, la ficelle au milieu. Eric Amico, il a pas un jeu facile hein, pour lui là.
Hop là, alors. Je pense que pour gagner, ils vont y tirer quand même. Ils sont obligés. Oui. À 4 points. Ah oui, oui. Donc c'est... Il n'a pas repris le point, mais il a déjà coupé 2 points. Ah. Déjà pas mal. Il faut qu'il rentre là pour obliger Salah à tirer 2 fois. À tirer 2 fois. Pour l'emporter. Si c'était collé devant, ça aurait pas été déjoué. Hein. Mais je pense qu'il va tirer quand même. Et là, à moins qu'il ait 2 points, s'il a 2 points, il va peut-être pointer dessus. Non, comme il n'a pas encore tiré de boule, je ne connais pas si ce joueur est capable de faire 2 frappes là. Ou à défaut, comme il a pointé, il a très bien pointé jusqu'à présent. Alors ce qu'il peut faire, s'il n'a pas tiré, rentrer, oui. S'il touche sa boule, il en met 3, il a carreau gagné après. Oui, ou continue à pointer. Non. Alors s'il veut gagner, il a 2 boules. S'il touche sa boule, oui. Et il fait rentrer à 3, ouais. L'autre il a gagné. Voilà. Et s'il ne le fait pas, il a carreau gagné à gauche. D'accord, pardon, oui, j'ai pas. Allez, on va voir. On va voir ce qu'il va faire. Déjà sa première boule là. Oulala. Bien joué ça. Hein. Maintenant, alors est-ce qu'il en a 3 ou que 2? Là, il cherche à toucher sa boule. Hein. S'il ne fait pas, bon, il monte quand même à 12. Hein. Oui. Il le fait pas, hein. Ah ouais, non, je pense que il doit pas en avoir 2. Allez, bah là, on peut dire que c'est pratiquement pointé gagné ça là. Réserve peut-être de rentrer la première boule là-bas. Voilà. Ah bah ouais. Ouais, bah je crois que là. Peut-être pas. Quatrième. Si. Si. Voilà. Bah voilà. Ouais. C'est il a réussi là. Très très bien. Ah. Alors, ils vont mesurer. Alors attends. La 3. 3 sur. Okay. Ouais, c'est bon, c'est confirmé. C'est bon, mais. Eh bien. Voilà cette partie de quart de finale qui se termine. Une brillante victoire, un très très beau tir d'Antoine Navarro et de Laurent Dumont qui ont pratiquement fait un sans faute, Gérard. Ouais. Donc, Dumont n'a pas manqué de boule. Voilà, hein, Gérard. Écoute, ça a été un plaisir. De commenter cette partie avec toi. Ben, moi aussi, hein, c'est vrai qu'on a assisté à une belle partie de l'équipe Dumont. Livrin qui avait bien démarré, c'est un petit peu relâché un peu après. Et ça a été un peu plus compliqué. Et on voit les stats. Voilà, bon, il y a 10% d'écart, mais un écart considérable quand même au niveau du tir. Hein. C'est exact. Ouais. Là, on a eu 2 bombardiers. Voilà. Entre Dumont et Navarro, donc victoire logique. S'ils continuent comme ça, ils peuvent s'inscrire bah, peut-être pour remporter cet international. Ah oui, hein. Ils sont bien partis. Ils ont le potentiel, et... vraiment. Voilà. Mais je profite pour féliciter Christelle Marage d'avoir gagné sa partie. D'accord. Alors pour toi, Gérard, quel serait le joueur de la partie, le meilleur pour toi des 6 vois-tu? Ah, moi je pense que Dumont c'est un phénomène. Dumont, moi je partage. Navarro a fait son gros tir. C'est un bon, très bon tireur. Et dans la partie, il a pesé du Dumont quand il a fait ses 2 carreaux pour ses 4 points. Ça fait une différence. Tout à fait, ben, je suis d'accord avec toi. Voilà, donc Laurent Dumont, élu pour, à l'unanimité, voilà. Gérard et moi, homme du match. Alors, on vous salue, on vous dit bon appétit, parce que ça va être l'heure de déjeuner. Et puis, on vous retrouve en début d'après-midi, je pense à 14h30, pour la demi-finale, une demi-finale, donc cette internationale de Nyons. Gérard, merci encore de ton aide ici aux commentaires.
Je te remercie. Je salue tout le monde et bonne journée à tous.